salle retient son souffle. Pendant la séance de tir au but, pas un bruit, ou presque, dans la suite présidentielle de l'hôtel Hayat à Addis Abeba. À chaque nouveau tir, les sourires et les applaudissements. Jusqu'au but final. Après l'incrédulité, l'exultation. Cette victoire nous met au toit de l'Afrique. On disait déjà qu'on avait la meilleure équipe africaine, ça s'est prouvé. Eh bien, je crois que le Sénégal méritait cette coupe. Et ils l'ont fait, les garçons sont rentrés dans la grande histoire. Une victoire historique pour les Lions de la Teranga. Pour fêter l'événement, le président sénégalais décrète aussitôt ce lundi férié, chômé et payé. La fête est à l'ordre du jour, la célébration est à l'ordre du jour, la fierté des Sénégalais a été sublimée parce que nous sommes tout simplement heureux. Macky Sall en Éthiopie pour le sommet de l'Union africaine devait prolonger son voyage aux Comores. Il a décidé d'écourter son séjour et de rentrer dès lundi à Dakar pour accueillir les héros du jour. Les Lions de la Teranga et les cadres de l'équipe seront décorés mardi par le président. L'hymne national n'a pas fini de résonner dans les foyers sénégalais. Le président de la République, pour la première fois, le Sénégal est champion d'Afrique. Quelle est votre réaction ? C'est une réaction faite d'émotions, de joie, de larmes, puisque c'est une victoire historique. Depuis 60 ans, notre pays est à la recherche de la Coupe d'Afrique des Nations. Eh bien, c'est fait aujourd'hui. Bravo à l'équipe nationale, bravo aux Lions de la Teranga. Ils nous avaient promis la Coupe, ils l'ont ramenée. Que leur dites-vous ? Je suis fier et je félicite le peuple sénégalais. Ce que je leur dis, demain je le leur dirai à Dakar. Je vais les précéder. Je devais continuer mon voyage, mais comme vous le savez, donc je vais les accueillir demain à Dakar. Merci. Qu'est-ce que cette victoire peut apporter au pays ? Cette victoire nous met au toit de l'Afrique. On disait déjà qu'on avait la meilleure équipe africaine, ça s'est prouvé. Eh bien, je crois que le Sénégal méritait cette coupe. Et ils l'ont fait, les garçons sont rentrés dans la grande histoire.
Veuillez vous abonner à votre chaîne YouTube Zoom et Focus pour être le premier à recevoir nos nouvelles vidéos. Merci.